Les Expos de Montréal ont nommé Tom Reynolds gérant au milieu de la saison 1991. Le prédécesseur de Reynolds, Buck Rogers, avait une fiche de 20 victoires et 29 défaites. Avec une fiche de 51 victoires et 61 défaites, Reynolds n'a pas fait mieux. Les Expos ont fini la saison en 6e place de la division Est avec une fiche de 71 victoires et 90 défaites. Au camp d'entraînement de 1992, il était vêtu d'un camouflage de l'armée. Il a également placé le troisième but Tim Wallach à la position de premier but. Après avoir commencé la saison avec une fiche de 17 victoires et 20 défaites, il a été congédié et remplacé par Felipe Helu. Les Expos ont fini la saison en 2e place de la division Est avec une fiche de 87 victoires et 75 défaites.